2S TV, partenaire média. Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. La télévision, c'est une vision. Celle d'un grand manager, d'un homme du sérail. La télévision est une passion. Celle d'hommes et femmes dévoués et rompus à la tâche. La télévision, c'est la transmission d'images de qualité, d'informations de première main. 2S TV, la télévision autrement et encore plus proche de vous pour mieux vous servir. 2S Mokoyo. Les grands moments de télévision sont ici. La politique, la société, l'environnement, l'économie, le sport, la culture, tout est sur votre chaîne de télévision, la 2S TV. Vraiment, 2S TV dans le chapeau, on peut bosser dans le monde. 2S TV, tu es de foutu, tu es de foutu, ça m'a gagné, m'a gagné, m'a gagné. Il est le promoteur de CNN, la télévision autrement. CNN, c'est documentaire. CNN, c'est breaking news. CNN, c'est music time. CNN, c'est cinéma. CNN, c'est gag. CNN, c'est sport. CNN, c'est lifetime. CNN, c'est talk show. CNN, c'est fâché. CNN, c'est série. CNN, c'est pro. CNN, il est le boss. CNN, la télévision autrement. Chaque citoyen, chaque habitant de la Côte d'Ivoire, chaque citoyen de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui résident en Côte d'Ivoire, doivent être tous ambassadeurs de la CAN. C'est ce qu'a préconisé le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, qui a mis les petits plats dans les grands pour offrir à toute la planète, au départ de la Côte d'Ivoire, et surtout à tous les Africains, une fête, pour ne pas dire une fête réussie. Et une des meilleures fêtes qu'aura vécues le football africain. Akwaba, et bienvenue à Spécial Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Je voudrais dire aux Ivoiriens de ne pas se décourager, comme le premier président, le président Oufouette nous l'a toujours dit, découragement n'est pas ivoirien. Nous avons déjà eu la coupe deux fois, en 92 quand j'étais premier ministre, et en 2015 récemment, et je suis sûr que nous l'aurons une troisième fois très bientôt. Quelqu'un a dit, le football c'est la vie. Il y a des hauts, il y a des bas, mais moi j'ai vu une jeune équipe avec énormément de talent. Les éléphants ont longue mémoire, mais ils ont aussi, je pense, toute une capacité extraordinaire devant eux. Et on sait qu'on va les voir au niveau continental et international dans les années à venir. J'en suis tout à fait confiant. À quoi va ? Et bienvenue à Spécial Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Franck Kessié va s'élancer, la course d'élan de Franck Kessié pour les éléphants de la Côte d'Ivoire qui tire et qui transforme. Il envoie les éléphants de la Côte d'Ivoire, la résurrection, le miracle de Yamoussoukro. On est ressuscité, Dieu ne va pas nous laisser. Ce que Dieu va faire, nous partons nous retrouver sur la terre du feu Boigny. Dieu nous a ressuscité et puis nous amène sur la terre du feu Boigny.
on ne peut pas taper pour tout. Que Dieu n'a qu'à nous aider. On est dans la main de Dieu, on n'est pas dans la main de quelqu'un. Dieu, merci beaucoup. On te remercie. Dieu, que Dieu n'a qu'à nous aider. Et le fort, on a toi jusqu'à le lendemain. Personne ne s'attendait à nous. Après la débâcle qu'on a pris 4-0 face à la Guinée équatoriale, aujourd'hui, on vous dit qu'on est là. La Côte d'Ivoire est là. Bravo les éléphants de Côte d'Ivoire. Bravo les éléphants de Côte d'Ivoire. Merci à la Côte d'Ivoire qui nous a permis de cette victoire-là. Ouais. Merci beaucoup. Que Dieu fasse qu'on puisse continuer jusqu'à la finale. Que cette finale nous porte la canne, c'est chez nous, ça reste chez nous. Ouais. Côte d'Ivoire toujours. Nous les hommes de foi, nous avions dit que la Côte d'Ivoire sortirait vainqueur de cette compétition, vainqueur de ce match. Et ce qui a été dit a été respecté. La Côte d'Ivoire, les éléphants, on a toujours confiance en ces éléphants-là. Et ils ne nous décevront jamais. J'écris longtemps ma foi, j'ai Dieu puissant là-haut. Quand j'écris longtemps ma foi, merci Seigneur, j'ai pleuré, j'ai perdu connaissance, je viens de me changer. J'ai perdu connaissance, je viens de me changer. Dieu, j'ai pleuré à Dieu. On a trop subi d'humiliation. Ils ont insulté les joueurs. Dieu qui est là-haut n'oublie jamais ses enfants. Les éléphants ont souffert. Ils souffrent jusqu'à ce moment. On les soutient jusqu'au bout. Quand on dit supporter, il faut supporter. On va toujours les supporter si Dieu le veut. Allah, Allah, Kabo, Allah, Nyongote. Dieu est bon. Il a dit, on nous a insultés. On nous a humiliés, on nous a insultés, mais le président, on ne recède pas. Le ministre François Micha, on dit du n'importe quoi sur lui. Mais Dieu est Dieu, Dieu est exaucé nos prières. On nous a maltraités, on nous a insultés, voici ça. Et les fantômes jamais. Yo, merci les Marocains aussi. Parce que c'est grâce à eux, grâce à Dieu, on est arrivé à ce point-là. Mais on vient de loin, on est ressuscité, on était fatigué. Depuis combien de temps on dort pas? Non, Dieu était à vous. Merci, travail, on a trop souffert. Je suis heureuse parce que là, Dieu a fait notre palabre. Dieu a fait notre palabre. On a fait sortir le Sénégal qui n'a pas encore perdu. Voilà, c'est le pays qui a été vraiment ridiculisé, qui a fait tomber le Sénégal. Je suis très contente, très contente. Je ne peux pas être raciste. Je suis nigérienne, mais si le Côte d'Ivoire gay là, c'est notre souhait. On ne peut pas être dans son pays et puis on va dire qu'on va le frapper 10-0. Vraiment, je suis fière, je suis contente. Ouais, ouais, Côte d'Ivoire. On a mérité la victoire. Ce n'est pas chose facile. La victoire, on devait gagner. Ce n'est pas le demi qui compte. On est qualifié. On est qualifié. Merci Maroc. Merci Maroc. Merci Maroc. Merci Maroc. Merci Maroc. C'est ce qu'il voulait voir. C'est ce qu'il a vu. On est trop contents. C'est ce qu'il a perdu. Nous les Ivoiriens, on dit en Borien, mais on est qualifié. Merci. Qu'est-ce que c'est content. Merci. En Borien, mais on est qualifié. En Borien, mais on est qualifié. En Borien, mais on est qualifié. La coupe reste ici. La coupe reste ici. Là, on voit rien. On est content, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée. La fille qui a dit Nangandef là. La fille qui a parlé de. La fille sénégalaise là. Celle qui a parlé de Nangandef là. Ouais, c'est la Côte d'Ivoire. Avouez champion, mais. Avouez champion. Avouez mais. Nous, on va causer un malien. Allez, il y a un caillou dans nos oreilles. On cause pas les maliens. Allez, non, on cause pas les maliens. Les maliens. Ouais, on est qualifié. On est qualifié. Brésil, Argentine par an, les deux ensemble. Brésil, Argentine par an. On est qualifié. Ah, chalave toi à la balade du PA. Chalave toi à la balade du PA. Je dis merci, je dis qualifié. Que Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'on a qu'à avoir la coupe. On est très heureux. On remercie le Maroc qui nous a qualifié pour le 8e de finale. Aujourd'hui, nous avons battu le Sénégal, qui est leader. Actuellement, ouais, on les remercie beaucoup. Le Maroc, aujourd'hui, vous êtes nos frères. Nous sommes heureux avec cette 4e de finale que nous allons jouer. La coupe va rester chez nous. Aujourd'hui, c'est Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire toujours. Dansez. Viens, mais dansez. Moi, dansez. On est là. Y'a rien, y'a pas rien.
Aquaba et bienvenue à Spécial Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Cette Cannes qui a permis de retrouver cette grande union de la Côte d'Ivoire. Union qui a transcendé les chapelles politiques, les religions, parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Et nous avons mis en avant cette fierté, cette citoyenneté ivoirienne. J'en appelle à nouveau qu'au-delà même de cette canne, nous puissions garder cette fraternité forte, ce bouclier, cette chaîne de la solidarité que nous avons su afficher aux yeux du monde entier. Je voudrais féliciter l'entraîneur. Voilà que le destin l'a propulsé à un moment où la Côte d'Ivoire se retrouvait dans le creux de la vague. Mais en tant qu'Ivoirien, digne d'appartenir à sa patrie, digne de porter haut les couleurs de notre beau pays, l'entraîneur Faye a mis en avant cette gêne nationaliste et montre clairement que la Côte d'Ivoire peut reposer sur ses nationaux. Mais au-delà de Faye, au-delà du football, c'est l'expression et l'occasion toute donnée de nous dire, à nous, hommes politiques, autorités, que la Côte d'Ivoire peut reposer sur les nationaux dans tous les secteurs. Ainsi, il rejoint le discours du président de la République qui a mis en avant les champions nationaux et qui demande que plus que jamais, les champions nationaux soient à l'honneur. Merci Faye, la Côte d'Ivoire te revaudra ce que tu as su nous apporter au moment où nous étions tous dans le creux de la vague. Aquaba et bienvenue à Spécial Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. C'est en tout cas Dieu merci. C'est Dieu la présidente de Dieu. Dieu merci. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. En forêt, on est qualifié. Akadjo. L'histoire continue toujours. On avait ça avec le Sénégal, c'est avec le Mali. L'histoire continue. On écrit l'histoire chaque année. C'est Dieu. Reviens, Dieu ou rien. Pour nous, cette année, là, c'est pour nous. Même s'ils ont crié, ils sont partis, ça coupe là, c'est pour nous. Cette joie est inonde. Mais on est qualifié. Tu as fait un travail d'excellent, extraordinaire. Oh, Mali dans la zone. Au revoir. Mali, au revoir. La victoire de la Côte d'Ivoire. Mais vraiment, mes félicitations à tout le monde. Et il reste maintenant la coupe. Et mercredi prochain, on joue contre le Congo. On fait quoi? Aquaba et bienvenue à Spécial Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. C'est d'abord de dire que c'est un honneur qui est fait à notre pays d'abriter cette Coupe d'Afrique des Nations, de recevoir l'Afrique entière. Nous pouvons noter c'est que notre pays a tout mis en œuvre pour être à la hauteur de l'événement, que ce soit sur le plan des infrastructures sportives, des infrastructures de l'hôtellerie, de la sécurité et même de l'accueil que les populations ivoiriennes ont réservé à cet événement que nous avons placé sous le signe de l'hospitalité pour rester fidèle à notre devise. Personnellement, je suis satisfait, je suis fier de tout ce que le pays a fait pour recevoir l'Afrique entière à l'occasion de cette CAN. Cette CAN a été, je dirais, le révélateur de ce que la Côte d'Ivoire retrouve progressivement sa cohésion et son unité. Et que l'esprit national a mûri, qu'il y a une maturité de l'esprit national. Les Ivoiriens aiment davantage leur pays, ils sont mobilisés pour le défendre. Et je crois que c'est une expression qui est, je dirais, le grand enseignement que nous devons retirer de cette canne. C'est que les Ivoiriens aiment aujourd'hui de plus en plus leur pays. Ils sont prêts à se mobiliser pour le défendre. L'amour de leur pays s'est ancré dans leur cœur véritablement. Et ça, c'est une grosse progression en termes de construction nationale, en termes de la cohésion sociale,
lorsque surtout on sait d'où nous venons, lorsque on sait les déchirures qu'il y a eu à notre sein aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont mobilisés, sans considération de parti politique, d'ethnie, de religion, sont tous mobilisés parce que c'est la Côte d'Ivoire qui est en jeu. C'est le drapeau national qu'il faut défendre et aujourd'hui, on retrouve une population, un peuple mobilisé et sans considération de ce que nous avons vu dans le passé où, en pareille circonstance, parfois, les clivages ethniques sont manifestes et amènent certains de nos compatriotes à avoir telle ou telle position. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui est en jeu et c'est la Côte d'Ivoire que les Ivoiriens, dans leur diversité, soutiennent. Et ça, c'est un gros progrès. La Côte d'Ivoire, inspirante terre d'hospitalité, reçoit l'Afrique. Jour de fête. C'est quoi? Et vous savez? Hommage à toi, président Duke Saga. Venez, venez danser. Oh, c'est un cowboy. La Côte d'Ivoire, le soir, l'Afrique, ça va chauffer. Y'a aussi le pain. On fait ça, mais on t'en parle. Ici, c'est la zone de Gaulle. Lui qui n'est qu'il est mort. Je lui m'adou. Regardez comment on est plus heureux. Tous les drapeaux sont levés. Africa, on est les tiens. On est toujours debout, on n'est jamais fait. Magui Dola de Los Angeles. Junior Dola. Et bienvenue à Spécial Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. La présidente du Sénat ivoirien, son Excellence Madame Kandia Camara, pour l'ouverture solennelle de la première session ordinaire 2024 du Sénat, a célébré la qualification des éléphants de Côte d'Ivoire pour les quarts de finale de ce qui a été baptisé par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, comme la Cannes de l'hospitalité. C'est avec un visage radieux que la présidente du Sénat, son Excellence Madame Kamisoko Kandia Camara, a envoûté de joie les personnalités dans cette salle et je crois le public qui regardait ce programme en direct sur les médias, incitant ainsi tous les Ivoiriens, tout le peuple de Côte d'Ivoire, à soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire. Vous verrez la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Madame Kandia Camara, toute radieuse, toute joyeuse et transmettant ainsi sa fibre de joie à tout le beau parterre réuni dans cette salle pour la rentrée solennelle du Sénat ivoirien. Les éléphants ont été fêtés par les sénateurs, le corps diplomatique, les membres du gouvernement. Chers éléphants,
Vous nous faites vivre au cours de cette CAN des moments d'émotion exceptionnels. Vous avez pu vous rendre compte de l'amour que vous porte le président de la République, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, premier capitaine des éléphants et chacune et chacun des Ivoiriens. Seko Fofana, Franck Kessier, Serge Aurier, Ibrahim Sangaré, Kossonou Odilon, Sébastien Allaire, Simon Adengra, Nicolas Pépé, Diakité Omar, Yaya Fofana, ainsi que tous les autres membres de notre équipe nationale, vous le savez, le trophée continental est plus que jamais à notre portée. Chers éléphants, il ne nous reste plus que 3 matchs pour le sac continental. Tous les Ivoiriens seront à vos côtés à Boaké le samedi 3 février 2024 en vue de la qualification pour la demi-finale. Chers éléphants, la CAN, c'est chez nous et le trophée doit rester chez nous. Akwaba. Et bienvenue à Spécial Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Et c'est repris, c'est Seko Fofana. Seko Fofana, Seko Fofana, l'incroyable histoire. Seko Fofana, à l'ultime seconde de la prolongation. Seko Fofana qui va tirer et qui va offrir la victoire, la qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Akwaba, Akwaba, toute l'Afrique. La Côte d'Ivoire reste toujours chef. La Côte d'Ivoire reste toujours chef. Un éléphant bien classé n'a pas tombé. La carte nous appartient. Mais chers Ivoiriens, c'est la victoire. Je suis fier de la dernière passe de Diakité et le but de Seko Fofana. Il m'a très fier, la Côte d'Ivoire. L'éléphant est blessé, l'éléphant marche un peu sur sa route. On a là, Ivoirien. Mali ne peut jamais gagner en Côte d'Ivoire. Mais je joue à 5. Jamais. Mali ne peut jamais gagner en Côte d'Ivoire. On est qualifié. Mais je ne fais rien. La Côte d'Ivoire revient de loin. Où nous sommes arrivés là. Pas de cadeau à quelqu'un qui soit. Nous allons gagner à tous les prix. On veut ou on ne veut pas, on va gagner. Coupe là, ça reste en Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Victoire à la Côte d'Ivoire. Victoire. 2-1, c'est propre. Je suis très content pour la victoire de mon pays, la chère Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, on vous aime. Mali ne peut pas. Mali n'a jamais pu. Ils pourront jamais. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Selon l'historique entre le Mali et la Côte d'Ivoire a toujours battu le Mali. Je vous avais dit, même si on jouait à 8, même si on jouait à 8, on allait gagner. C'est là où vous m'avez interviewé. Je vous ai dit, on va rester sur le score de 2-1. Et Dieu l'a permis. Je suis content. Je suis heureuse. On va rien. On est arrivé. On va rien. On est arrivé. On va rien. Je suis très heureuse, vraiment. Merci à l'équipe ivoirienne. Formidable équipe ivoirienne. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. On part pour la coupe. Humilité à payer. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Allez, les éléphants. La grande sa chez nous. On a gagné un. Il ne peut pas. C'est nous, on est là. Voilà, je suis très contente. Je suis très contente même. Je suis très contente pour les Ivoiriens. On dit merci à Dieu. On dit merci à Dieu. Voilà, on dit merci à Dieu. Humilité, ça met. Attends, on n'a plus un. On a activé le côté orgueil. Le côté orgueil activé. On ne veut rien. Malin qualifié. Nous sommes fiers de la Côte d'Ivoire. 2 plus 1, nous sommes contents pour la gloire. La Côte d'Ivoire est champion d'Afrique. Côte d'Ivoire est gentil. Ils aiment tout le monde. Côte d'Ivoire est un pays de tout. Merci à Dieu parce que Dieu là. Merci Dieu. Dieu n'est pas Dieu. C'est Dieu de miracle. Akwaba et bienvenue à Spécial CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Je voudrais, en toute sincérité, oui. Remercier le peuple ivoirien, voilà. Qui nous supporte depuis que nous sommes en Côte d'Ivoire. Voilà. Partout,
Moi-même, j'ai ramené les maillots. Oui. Parce que les supporters ivoiriens avaient demandé que je ramène les maillots pour qu'ils nous assistent à Korogo. Ils l'ont fait. Je vous assure, je voudrais souligner aussi l'excellence des relations entre le président Félix Tshisekedi et le président Alassane Ouattara. C'est extraordinaire. Je me rends compte que les Ivoiriens et les Congolais, c'est le même peuple. Oui, c'est vrai. C'est les frontières qui nous divisent. Mais nous serons derrière la Côte d'Ivoire. Sur un match, la paix et le vent peuvent passer. Amen. Nous sommes de cœur avec vous. Nous allons vous accompagner jusqu'au bout. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. À quoi va ? Et bienvenue à Spécial Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Le dribble, il a réussi sur Massouakou. Le sang derrière pour une reprise de Sébastien Allaire. Elle est topée et elle lobe le gardien congolais pour l'ouverture du score des éléphants de Côte d'Ivoire sur une reprise ratée, topée, mais avec une fin ô combien incroyable pour Sébastien Allaire et les éléphants de la Côte d'Ivoire qui fait exploser le stade Alassane Ouattara. Et une finale, on prend. C'est le soleil dégueu. On prend ça. Wow! Wow! Continue comme ça. Dieu va nous aider. Mettons-nous dans la main de Dieu. Ça va aller. Inch'Allah, si Dieu l'a fait. On a battu, les yeux ont battu. Cette coupe-là, ça va rester ici. On va rester cette coupe-là ici. On est qualifié. On va rien. On n'a pas le grand bara. On n'a pas le grand bara si fort. Moi, je suis congolais. Ivoirien, mais vraiment aujourd'hui, je n'étais pas la patrie. Merci à la Côte d'Ivoire. Merci. Il a prédit que la coupe va rester ici. Coupe là, ça sort pas. Si coupe là sort, c'est que je suis le plus maudit de ma famille. Alassane, Alassane, c'est un présent béni. La Côte d'Ivoire est un pays béni. Goumouli, Doula Goumoulo. Goumouli, Doula Goumoulo. Goumouli, Doula Goumoulo. Les Ivoiriens, on est fiers de vous. On est fiers. On est fiers, je vous en prie. Monsieur le pays, je vous aime. La fiole, moi je dis, on est rien. Ma fiole, moi, je m'en ai dit. Merci beaucoup. C'est nous ici. Ouais. Nous sommes fiers, nous sommes fiers, nous sommes fiers, nous sommes fiers. On prend la coupe, on prend la coupe. On est en finale. On va gagner. Oh, je suis très content, car aujourd'hui là, nous sommes en finale. Merci à Alain, président d'Ivoirien, nous sommes contents, nous sommes fiers d'eux. Celle-ci s'arrêtait. C'est éléphant. Éléphant ou rien. Wow. On remercie Alassane Ouattara. Vraiment, il mérite ce coup. Parce que ce pays, vraiment, c'est un grand pays. C'est un pays dont nous sommes vraiment. Tous les Ivoiriens sont très gentils. Allez les éléphants. Allez les éléphants. Wow. Restez chez nous. Restez chez nous. Les éléphants, oh yeah. Les éléphants, oh yeah. On va ramener la coupe là. Vraiment, nous sommes très heureuses d'avoir remporté cette canne. C'était pas évident. On avait perdu espoir. Mais on dit merci, merci à la Côte d'Ivoire. Merci pour son bobby. Hey, Côte d'Ivoire. Hey, les Anangoua, dimanche, vous partez pour Olé. Vous partez à la maison, mais une coupe là, c'est pour nous. Et pour nous, ça sera toi. J'entends, aujourd'hui là. La Côte d'Ivoire, on a la paix du cœur. Alassane Kaye, voilà la team Malo. Coupou, il met un et voilà et puis là, il met un petit voilà. On est venus. Aimer la victoire de la Côte d'Ivoire. Bon, mais nous, on ne doutait pas depuis longtemps. Agradio nous a dit que Coupou, là, ça dort ici. Ça a dormi, tu vois, on a tchara. Ça ne bouge même pas. Oh, t'as l'air, on mille l'air. Ça, c'est pour eux là-bas, ici là, ça dort. Actuellement, on est content, on n'a pas de mots à dire. Le seul mot qu'on peut dire, notre victoire d'aujourd'hui, il y a Dieu dedans. Dieu, 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 Dieu. Inch'Allah, le 11 soir, jusqu'à matin, lundi matin, on va fêter. Inch'Allah, Inch'Allah. Aga koye mena non, anu kubu na mena ta. Morosite, mibe tche, abisa l'oanye fe. Anango nou ove na ye. Dimanche, la coupe c'est pour nous. C'est 2 buts à 0. Wow! Cette canne, on va prendre. On vous félicite. Vraiment, cette canne, on va prendre.
Ah, on a gagné Tchèp. On a vu le meilleur Tchèp, on a gagné Nigeria. Non, Nigeria a gagné ça, mais viens moi. Les Ivoiriens ont gagné, on partit en coupe là. Moi je dis Guinée, mais c'est mon premier pays qui est Côte d'Ivoire. Il n'y a rien, allons ça. Mais tiens, on dit éléphant même là, ils disent quoi même. Congo là c'est quoi? Éléphant c'est éléphant. Bravo aux joueurs, bravo au staff, bravo à toute la nation. Longue vie aux éléphants. Paix, bénédiction, réussite. À nous la coupe, troisième étoile. La CAN c'est chaud. La CAN c'est chaud parce que Côte d'Ivoire a gagné. Et quand Côte d'Ivoire gagne, c'est nous tous en gagne le père. C'est nous tous en gagne. La coupe sera à nous. Seulement à nous la Côte d'Ivoire. Seulement à nous. La CAN est très bien faite. Didier Drogba a précisément dit la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Il y a gagné, allez. Il y a gagné le tout. Il y a gagné le tout. Il y a gagné le tout. Elle est pas là, c'est pas Jack Mani. Elle est pas là, c'est pas Jack Mani. C'est pas Panthère. C'est pas. C'est l'éléphant. C'est l'éléphant, c'est pas Jack Mani. Merci à la Côte d'Ivoire. Merci au président. Merci aux joueurs. Merci de nous avoir écoutés. Ouais, vous faites la fierté du pays. Alice, pour la finale là, nous sommes avec vous jusqu'à la mort. Qui pleuve, qui neige. Ivoirien n'a pas été à l'esprit. On avait un jeune homme par le plus aucun temps. Le wourouourou. On a tué. Merci la mère. Éléphant ou jamais. L'éléphant ensemble. On vous gagne. Comme ça là, ça dort. Ce qu'ils vont dire là, c'est toi. Nigeria là. Ce qu'ils vont faire, Akadjo là, ici, sa soeur. Akadjo ou rien. À quoi va. Et bienvenue à Spécial Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Nous sommes contents. Et je voulais féliciter les éléphants pour cette leçon de résilience. La résilience, selon les physiciens, c'est la capacité qu'a la matière de résister au choc. C'est ce qu'on appelle la résilience. Mais si nous devons étendre, extrapoler dans le domaine littéraire, la résilience, c'est le fait de renaître d'un choc, de renaître d'une situation difficile. Et les éléphants de Côte d'Ivoire sont une preuve palpable. C'est pourquoi moi, je les ai appelés le revenant. Oui, il y a beaucoup de leçons à tirer de cette qualification. Au-delà de la joie, et c'est ce qui doit être important pour notre jeunesse, pour notre population, la première leçon, le meilleur n'est pas toujours ailleurs. Ce qui ne veut pas dire qu'on rejette ce qui vient d'ailleurs. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais un peu d'estime de soi. Et puis, valoriser ce qu'on est et valoriser ce qu'on a. Bravo au coach et à tout son staff. J'ai déjà félicité les éléphants. Célébrer. 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 Dans tous les cas, de là où nous venons et de là où nous sommes aujourd'hui, on a déjà gagné. C'était la première leçon. Le meilleur n'est pas toujours ailleurs. Deuxième leçon. Ne jamais douter. La première cause de l'échec, c'est le doute. Troisième leçon, tout est dynamique. Ne jamais se moquer de quelqu'un qui est en souffrance aujourd'hui. Parce que le dernier d'aujourd'hui peut être le premier de demain. L'autre leçon que je voulais partager avec vous, c'est l'unité. Une maison divisée ne peut jamais prospérer. À quoi va ? Et bienvenue à Spécial Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Je suis un homme heureux de la haine. Maintenant, nous continuons. Vous savez, nous avons bien commencé et je souhaite aux éléphants de continuer. J'ai déjà eu la chance d'apporter deux coupes
de la CAN en Côte d'Ivoire, en 92 quand j'étais Premier ministre, et en 2015, donc il y a quelques années. J'espère que jamais 203. Aquaba, et bienvenue à Spécial CAN 2023 en Côte d'Ivoire. C'est l'heure du grand format. Et dans ce grand format, rien de plus normal, à tout seigneur, tout honneur, la Côte d'Ivoire organise cette CAN en plein cœur de ce très beau pays. Regardez ce pays, regardez cette Côte d'Ivoire, en vie de tous, sécurité sans pareil. Pas de flics dans les routes à vous demander des papiers et autres. Juste vous poser la question, est-ce que vous allez bien quand vous circulez? Quelle belle CAN, quel beau pays! On peut tout simplement s'enorgueillir quand on voit ces infrastructures, quand on voit l'accueil chaleureux des Ivoiriens face à tous leurs frères venus de partout. Et surtout quand on voit une équipe brillante comme les éléphants de Côte d'Ivoire qui vont pas à pas. Je vous l'ai dit, au début de ce tournoi, c'est un tournoi. Ce n'est pas un match de football, c'est une compétition qui dure un mois. Et les éléphants de Côte d'Ivoire, à pas de pachyderme, vont petit à petit. C'est à eux qu'est consacré le grand format. Pronostic 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Le Nigeria marque en premier les 10 dernières minutes de but de la Côte d'Ivoire. On soutient la Côte d'Ivoire et on souhaite bonne chance aux éléphants. Merci à eux pour l'espoir qu'ils ont remis dans le cœur du peuple ivoirien. Et que Dieu soit avec eux, à nous la victoire. Je sais qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va taper le Nigeria 3-0. Allez, va mettre 1. Christian Kwame, Jakite. Et puis on nous aller, c'est ça. Aujourd'hui, c'est la fête en du bois, non? C'est gâté. Je n'ai pas mouvement. C'est 4-0. On va tirer vite à eux. C'est pas mouvement. On va gagner 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire 2, Nigeria 0. Nous avons organisé et ça va rester dans notre pays. Youpi! Pour le pronostic du match, je 2-0 pour la Côte d'Ivoire, en faveur de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire gagne ses pères, Nigeria gagne ses pères. Aujourd'hui là, Côte d'Ivoire gagne ses pères, Nigeria gagne ses pères, c'est la même famille là, on est ensemble. Que le meilleur gagne, c'est tout. Côte d'Ivoire. Aïe, ça reste ici, ça ne soit pas. Papa Ado, je t'aime. A vie, Inch'Allah, ça reste ici. Éléphant, on continue vous. Pardonnez, c'est 2-0. Eh, on continue vous. Non, c'est 2-0, on veut. Ils ont qu'à bien mouiller les maillots. On veut Victor Soliman, aujourd'hui là. Aujourd'hui là, Kouri m'attend beaucoup. Mais non, papa a trop fait. Il a trop fait. Inch'Allah, on va les prendre. 2-1. On tient encore. Encore la victoire, 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Antje, y'a pas moi, va plus. 2-0, c'est fini, hein. Madame, 2-0. 2-0 2-0 La pluie est à l'esprit, on est venu pour gagner. Donc, viens jouer le ballon, net 2-0, et bien ça à la maison. Coupe là, ça reste ici. Côte d'Ivoire, on prend la coupe là, que c'est chez nous. Ça bouge pas. On veut victoire, victoire ou rien. Aujourd'hui là, c'est la gloire. C'est Dieu seul qui a son dernier mot. Nous, on n'est pas féticheur. Nous, on n'est pas féticheur. Nous, on connaît pas féticheur. Nous, on connaît Dieu. C'est Dieu ou rien. C'est nous les éléphants. On dit à Ado que coupe ça là. C'est nous les pays organisateurs. Donc, je peux parler à Ndoula que Moi, je suis allé là. À 10 minutes à Djougou. Donc, coupe là, c'est pour nous. De toute façon, il y a un pays qui est un jour comme nous. C'est nous les éléphants, la CAN là c'est chez nous. Dans la coupe là ça bougera pas. Hourra, c'est nous les éléphants, la CAN c'est chez nous. La coupe ne bougera pas. Hourra, c'est nous les éléphants, la CAN c'est chez nous. La coupe ne bougera pas. On compte si fou. Attends, on compte si fou. Fofana est à l'heure. Pardonnez, on compte si fou. Demain que Alassane a mis le long, on compte si fou. Thank you.
pour les Super Eagles, tiré par Lookman au premier poteau, le ballon est prolongé par Chukwueze, le coup de tête, le coup de tête de William Trostekong, déjà buteur lors de la deuxième journée, c'est lui qui avait offert la victoire aux Super Eagles du Nigeria. Il propulse ce ballon au fond des filets ivoiriens, ça fait 1-0 contre le cours du jeu pour les Super Eagles. Ça redonne de la voix au stade, le coup de tête maintenant, une égalisation, la voilà, l'égalisation de Franck Kessier avec la joie de Didier Drogba, tout comme le stade, tout le monde exulte. Franck Kessier, nouvelle fois le sauveur de la nation, le salut militaire pour son papa Franck Kessier. Le ballon récupéré par Simon Dingras qui part à l'extérieur, le dribble extérieur, il est réussi avec le centre, non, et la déviation, c'est un but marqué contre son camp sous la menace de Sébastien Allaire. La Côte d'Ivoire qui prend les devants, la Côte d'Ivoire dans sa finale sous la pression de Sébastien Allaire. Je suis heureux. Grâce à Maroc, Côte d'Ivoire a remporté la troisième étoile. Vraiment, je remercie la Côte d'Ivoire. Je remercie les Ivoiriens. Je remercie le bon Dieu d'avoir nous donné cette belle coupe. Dieu merci, mon Dieu. Dieu merci. Alhamdoulilah. Merci beaucoup, Dieu. Je suis fier. Je suis fier. Ce qu'on dit qu'il va pas prendre. C'est nous, on a pris le couple et puis disons où ils sont. Dieu merci. C'est la Côte d'Ivoire. On a fait haine, on a mangé l'aigle, on a préparé l'aigle, l'aigle est cuit, on a mangé l'aigle. Victoire à la Côte d'Ivoire. Fier de la Côte d'Ivoire, on est vraiment heureux de la coupe qu'ils ont pris. Donc là, ça va connaître tout, d'ailleurs, il y a... Voilà, il y a mangé ça, il y a un peu de manger pour gagner. Tu as un chien, tu as un grand chien. Comme ne bougera pas, ça reste en Côte d'Ivoire. Moi, chaque fois, la caisse, voilà là, voilà la caisse. Félicitations à tout le monde, aux joueurs, aux dirigeants. Vive la Côte d'Ivoire! On a la Coupe au Maroc! La Coupe d'Ivoire au Maroc! Côte d'Ivoire au Maroc! Côte d'Ivoire au Maroc! On a soulevé! On a soulevé! On a les jets là! Bon, on a gagné! On est fiers! Aujourd'hui là, on est trop contents! Ouais, c'est ça! Quelqu'un qui est mort deux fois, quelqu'un qui est mort deux fois, c'est pas ça, il faut pas essayer de s'amuser à lui. On vaut rien, on a pris la coupe. On vaut rien, mais on a pris la coupe. On vaut rien, mais on est fiers des éléphants. Nous sommes des Sénégalais, mais on est fiers des éléphants. Vive l'Afrique, vive l'Afrique, vive l'Afrique. Donc nous tous les Ivoiriens sont fiers d'avoir les troisième étoiles sur les... Une semaine sans travailler,
Mais si tu es mort et puis tu es réveillé là, c'est que tu as un projet à faire. Et puis c'est ce projet là qu'on a réalisé là. Il n'y a pas l'homme, il n'y a pas deux pays. Moi, il n'y a pas trop parlé. Nous, on a gagné un match hier soir. On a gagné 2-1 depuis après la joie. Vieille, elle a vomi tout le but là. Tout le but, elle a vomi. On est fort. On est fort. On a mérité la victoire. Alhamdoulilah, on dit Dieu merci à Dieu. On est fort. On est fort. Voilà, on dit toujours Dieu merci. On est heureux. Vraiment, vraiment. Ado, merci, merci. Dieu merci. Le papa Ado, merci. On est content. On ne sait pas où on va partir. I am very happy for Voriens to win this match because I was been born in every country. On est vraiment content. Hey, Dieu merci. Hey, c'est Dieu qui a fait ça. Hey, Maroc, merci. Dieu merci. Maroc, merci. Bravo aux éléphants. C'est un message que je suis plus qu'heureux d'enregistrer. Ce maillot aurait été celui qui m'a servi le plus brièvement. On m'a critiqué pour avoir mon vieux maillot de supporter. Il y avait une étoile et puis le maillot à deux étoiles. Maintenant, il faut que j'achète le maillot à trois étoiles. Ce sera une dépense que je ferai de bon cœur. Bravo aux éléphants. Bravo à l'encadrement technique, notre entraîneur qui va devenir vraiment un héros national. Bravo à tous. Bravo aussi à nos amis nigérians qui nous ont permis d'avoir une belle finale sans pénalty, finale de fair play, où je crois que vraiment la meilleure équipe sur le terrain ce soir a gagné. Celle qui avait le plus de détermination et qui, bien qu'étant menée 1-0 au score, est revenue à 2-1. Donc bravo aux joueurs. Après le 4-0 face à la Guinée équatoriale, franchement, nous étions nombreux à ne plus y croire. Vous avez donné une leçon de courage, de résilience, de détermination. Ce sont les mêmes joueurs qui ont perdu 4-0 contre la Guinée équatoriale, qui ont gagné ce soir, nous ont offert une troisième Coupe d'Afrique. Donc un message à tous nos frères, toutes nos sœurs ivoiriennes. Rien n'est impossible quand on a la détermination et qu'on travaille. Voilà ce que je retiens de cette victoire. Merci, merci, merci à nos éléphants pour la joie qu'ils nous donnent ce soir. Félicitations aux autorités, au président Alassane Ouattara, à tous ceux qui ont organisé cette CAN sur notre territoire. Pour une troisième victoire historique. Maintenant à la quatrième étoile. Merci, bonsoir et célébrez cette victoire dans la joie et dans la paix. Merci à tous. Nous avons la victoire. Qui l'eût cru? Nous voici dans la joie. Je voudrais commencer par adresser mes félicitations au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a su croire en la Côte d'Ivoire pour relever le défi africain. Il a su s'entourer d'une équipe grâce à laquelle nous avons aujourd'hui la victoire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toute la Côte d'Ivoire.
fais-moi du bien. Remarquez que le Dieu créateur s'appelle Allah. Notre président, il s'appelle Alassane. Alassane, sans là, ça veut dire or. Oh, Dieu nous a donné de l'or. Dieu l'a honoré. Alassane Ouattara. On voulait te honorer. Mais Dieu. Mali. On est content. C'est bon. On ne peut que dire merci. 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 Mais un mot, un mot. Les éléphants. Je suis que vous savez jouer ballon, vous êtes méchants. Wow. Mais on a vu. Wow. On a vu ce que vous avez fait pour nous. Merci. Papa Ado, Papa Ado, je t'aime. Papa Ado, t'es le meilleur président. T'es bon. T'es le meilleur président. Aujourd'hui, elle est venue pour voir la coupe. On parle rien eux. Dès qu'on finit, on met le stade en feu. On fait la fête. Elle est prête, elle est là. On a tué. Allez, merci, allez. Allez, merci, allez, merci, allez, merci. Adamira, merci. Voilà, tous les éléphants, merci beaucoup. On vous soutient tous, voilà vous. Je suis très content. Depuis le début de la CAN, on ne croyait pas. Mais aujourd'hui, là, vraiment, on croit à un avenir meilleur. On croit qu'avec les éléphants, on va aller plus loin. L'équipe qui est là actuellement, on sait qu'avec eux, là, on va aller plus loin. Le Prado, il nous a fait plaisir. Il a organisé un grand événement et les éléphants ont été à la hauteur. Nous sommes fiers, nous sommes très fiers aujourd'hui d'être Ivoiriens. Avec tout ce qui s'est passé là, nous sommes fiers du président. Très heureux de participer à cette merveilleuse cérémonie organisée par notre président, le président Ado. Nous sommes très heureux d'être ici. Merci le président. Vive la paix en Côte d'Ivoire. Nous sommes unis. Merci au Maroc. Maroc, Maroc, Maroc. Je voulais dire merci à la Côte d'Ivoire. Merci aux éléphants pour ce qu'ils ont fait. Ils nous ont montré que c'est la joie qu'ils veulent mettre dans nos cœurs. Ils ont été humiliés, Dieu les a aidés. Ils se sont relevés, Dieu n'a pris la coupe. Vraiment merveilleux d'être là. C'est incroyable. On organise une CAN et puis on la remporte. Franchement, c'est tellement... C'est waouh quoi. Voilà, les gens n'ont pas cru en nous. On est fiers d'être ivoiriennes. On est fiers, on a bâti cela. Depuis 92 jusqu'à 2000, jusqu'à... On a fait 2015, on a remporté. Et puis encore, en 2024, on vient, on organise et on remporte. Ça fait une fierté, 3 étoiles, on mérite. Vraiment, le début de la compétition, personne ne croyait que les éléphants pouvaient rencontrer cette coupe. Mais grâce à Dieu, on dit, nous vivons toute l'Afrique. Nous avons fermé bouche de tous les jaloux. Ils se sont donnés à fond pour envoyer la coupe chez nous. Le début n'a pas été facile, mais la fin, ils ont mérité, ils ont mouillé le maillot. Ils ont fait l'honneur au président Ado, président de la République. Non, quand tu la Côte d'Ivoire, ils ont mieux le maillot. On tenait à remercier vraiment le président de la République pour l'organisation. Nous tous, on est là, mais on a vu qui aime la Côte d'Ivoire, qui n'aime pas la Côte d'Ivoire. À cause de 3 étoiles, nous ont insulté sur les réseaux partout. Mais maintenant, là, on sait qui aime la Côte d'Ivoire, qui n'aime pas la Côte d'Ivoire. Ouais. Nous, Ivoiriens, là, on s'est soutenus. Il n'y a plus ethnie, il n'y a plus religion. Ouais. Ivoiriens d'abord. Vraiment, je veux remercier d'abord le Seigneur, l'Éternel, le Tout-Puissant, du nom de Jésus, de ce qu'il a commencé avec nos joueurs et il a achevé avec nos joueurs en leur accordant cette victoire. C'est la victoire du Maroc qui nous a ramenés sur la scène. Alors, quand je vois ça et qu'aujourd'hui nous avons la coupe, je me rends compte que tout se court, mais c'est celui à qui Dieu fait grâce qui obtient la victoire. Ce qui m'impressionne plus, c'est l'amour qu'il y a entre nous les Ivoiriens aujourd'hui, la fraternité. Vraiment, que Dieu fasse que cet amour, cette fraternité puisse durer longtemps et que la politique ne vienne pas vraiment nous gâcher cette fraternité. On dit bravo aux éléphants, bravo au chef de l'État. Nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui parce que là, c'est une joie qu'ils ont procurée à toute la population ivoirienne. Un trophée que nous attendions tous, on attendait tous ce trophée et trop de ce trophée, on l'a chez nous. On est très content pour gagner la 3e étoile ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Soyez bienvenus 2025 au Maroc, à Kouaba. Je savais que la Côte d'Ivoire ne gagnait rien. Il y avait déjà 3 étoiles avant le match, je te jure, Olaï Bilaï.
SSO, meilleur pays. Ado, je t'aime, on est ensemble. Arkwaba, et bienvenue à Spécial Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Voilà ce que c'est que la Cannes 2023, la 34e édition, au cœur de la Côte d'Ivoire, parrainée et présidée par celui-là même qui a décidé de parler peu et de dire des choses vraies, et surtout pour faire plaisir d'abord aux Ivoiriens, ses compatriotes, ensuite aux Africains et après au monde, à savoir le président Alassane Ouattara. Et pour être de sa lignée, il vaudrait mieux suivre des études à l'UIL, notre partenaire officiel. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Désormais, il est permis à chacun d'aller de ses commentaires. Au moins, ils auront vu ce que c'est que la Côte d'Ivoire du président Alassane Ouattara, qui en une décennie a transformé ce pays et comme vous l'avez tous admiré. Restez sur votre petit écran et n'oubliez pas la rediffusion de cette émission. Je suis Constiéka. Au revoir.